Cyberespace. Technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0. Cyberespace sur Algérie 3. Et avec nous, Samy Haloun, bonjour. Bonjour Soraya, bonjour Hakim. Bonjour, 31 décembre oblige, vous êtes déjà habillé Samy pour, pour l'occasion. Pour ce soir. Il faut bien. Je ne sais pas comment vous allez faire pour, voilà, pour ne pas froisser le costard voilà, toute cette journée. Il est sur 131, voilà, n'hésitez pas à revoir en podcast nos rubriques. On va pas sur parler YouTube de YouTube ou sur la page Facebook de la chaîne 3. On va parler donc pas moins de 1000 milliards de dollars de pertes financières en 2020. Soit 1% du PIB mondial, c'est l'impact des cyberattaques dans l'économie mondiale. L'Algérie consciente plus que jamais des enjeux liés aux menaces cybernétiques qui connaîtra en 2024 la création d'une école supérieure nationale en cybersécurité pour former des jeunes donc compétents ou de compétences à faire face à tout danger lié aux pirates et attaques informatiques. Avec l'avancement de la numérisation, l'interconnectivité des systèmes, le numérique gagne de plus en plus de place dans la vie quotidienne. Côté professionnel ou côté administration et services, c'est une myriade de données qui sera exploitée pour apporter les meilleures prestations de qualité aux citoyens. Toute cette numérisation a besoin d'une sécurité optimale pour protéger et garder toutes données confidentielles loin de ces pirates informatiques, ces hackers mal intentionnés qui visent à semer la zizanie à travers des attaques cybernétiques qui ont comme but de dérober le maximum de données, soit voler ou exiger une rançon au retour. Des acteurs de malveillants virtuels contre lesquels la science de la cybersécurité se dresse pour former des jeunes compétences à maîtriser l'outil de la cybersécurité, soit se doter d'une résilience à même de faire face efficacement contre toute tentative de vol de données, une école nationale supérieure en cybersécurité est prévue pour l'année 2024. Pour nous en parler davantage ce matin, Redouane Benzarroug est expert judiciaire spécialisé en informatique. La création d'une école en cybersécurité est un projet judicieux. Il faut savoir que la sécurité informatique est une science jeune. Elle est née avec l'avènement de la numérisation, du développement exponentiel des réseaux et de tout connecté qui donne l'accès à l'information au monde entier et a provoqué la naissance d'une nouvelle forme de malfaisance. L'école en cybersécurité assure la formation des étudiants aux méthodes de protection numérique dans un monde de plus en plus numérisé. Cette école formera aussi les futurs ingénieurs spécialisés en cybersécurité, aussi la cyberdéfense avec le développement du dark web sur lequel tout se vend et l'avènement de la crypto-monnaie par laquelle ou lesquelles la majorité des transactions financières illégales sont effectuées. Une école qui aura comme mission de former sur la maîtrise de ces outils technologiques pour protéger nos données contre des menaces telles que l'usurpation d'identité, l'espionnage, le vol de données sous toutes ses formes. De notre côté, c'est également pour tester les réseaux et trouver rapidement les failles de sécurité, qu'elles soient matérielles au sein du système. En bref, doter nos étudiants d'un savoir-faire et d'une science de protection des données et systèmes informatiques pour suivre le bon déroulement de la transformation numérique du pays.